Hello tout le monde, c'est KiviGun pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 3 en compagnie de Monsieur Oxa. Bonjour à tous. En ruée. Ah putain, le mec qui me réanime, je mords direct. Sur traversée de la Seine. On va faire un petit tour en bateau après. Ah moi je vais faire quelques traversées de Seine. Ouais, à la brasse, tu vas nager. À la brasse. Ouais, à la brasse, je voulais dire. Mais au bout d'un moment, mon cerveau s'est dit arrête, dis pas des conneries. Bon, on défend ce point B, mais le point B c'est le plus dégueulasse à défendre, on va dire. Bah, en fait, c'est connu hein, ce point B de traversée de la Seine. Il est très connu, très difficile à prendre. Ouais, mais c'est parce que. J'ai dit dans une vidéo précédente qu'on avait fait aussi sur cette map en ruée aussi. Ah ouais? Ouais, on a déjà fait une là-dessus, en ruée en plus. On avait dit en plus que c'était. Attends, je sais plus c'était quoi. Alors, un petit conseil en passant. Alors, fais l'intro du petit conseil. Minute astuce! Yes. Voilà, t'attends. Alors, la minute astuce, qu'est-ce que c'est la minute astuce? Pour ce petit relais B. Se trouve dans traversée de la Seine. Ouais, dis-moi l'astuce. L'astuce, c'est pas une astuce, c'est une sorte en fait. Utiliser les fumigènes, quoi, c'est tout simplement. Beaucoup de personnes négligent les fumigènes. Alors qu'ils devraient pas. Les fumigènes peuvent vous sortir de différentes galères quand même. Bah, faut dire que Battlefield est quand même un jeu où pratiquement tous les accessoires qui sont proposés. Qui sont proposés dans ce Battlefield sont utiles à quelque chose quoi hein. Les gens vont dire ouais mais le fumigène c'est de la merde, je préfère prendre le lance-patate, c'est mieux. Bah, c'est clair que pour faire du frag et puis déloger des gens, les ennemis, c'est clair qu'il est efficace hein, le M320 lance-patate, mais le fumigène a sa. Ou tu sais ce qu'il faut faire pour prendre ce point B? C'est tout bêtement, tu prends la ruelle d'en haut, là où je suis en ce moment même. Oui, il y a un attaque en masse. Non, tu prends cette ruelle, t'essayes de buter le maximum de personnes qui sont à l'intérieur de B ici. Ouais. Et eux, forcément, s'ils peuvent plus respawn à l'intérieur, ils vont respawn là-bas, d'autre bout de la rue, là. Et ensuite, t'as qu'à juste les bloquer. Plus qu'ils reviennent sur B en fait. C'est une stratégie commune. Bon, des fois elle est pas payante. Hein, mais... Le mieux c'est de contourner par l'arrière et de prendre d'assaut par là où je vous montre. Là. En fait, tout simplement, ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'il faut avoir des attaques organisées quoi. Assez organisées, utiliser les fumigènes. Voilà, vous avez plus de chances de réussir à prendre des points qui sont difficiles parce que bon. Il y a certains points en ruée, vous avez certains points dans certaines maps qui sont difficiles à prendre. Tout simplement, vous avez plus de chances si vous jouez dans une équipe, vous me direz c'est difficile puisque la plupart du temps, si vous connaissez pas les gars avec qui vous jouez, eh ben là ils sont rentrés. Ouais. Si vous connaissez pas, il y en a un à l'intérieur dans le garage et l'autre en train d'amorcer. Ah, ils ont amorcé. Ou sinon, gaffe, ce qui peut être pas mal, c'est le mortier. Vous spammez la bombée de mortier, c'est le seul endroit où le mortier peut être intéressant, on va dire. Ouais. Bon, intéressant, le seul endroit, je dirais pas le seul endroit, mais... Forcément, en utilisant le mortier, tu t'obliges les défenseurs à se protéger dans les bâtiments. À se couvrir un peu plus. Donc vous avez plein d'astuces, si vous cherchez rien, vous avez plein d'astuces pour vous sortir de situations compliquées. Donc je me fais pas de soucis. Simplement essayez quand même quand vous êtes en ruée. Bon moi qui fais plus de conquêtes, je suis pas un grand spécialiste de ruée, mais je sais tout simplement que quand vous jouez en escouade et puis vous avez des gars avec qui vous pouvez communiquer. Essayez de faire des attaques éclairs, c'est-à-dire faire rentrer un gros nombre de joueurs
dans la zone où vous voulez capturer ou amorcer la bombe en même temps, par plusieurs entrées, avec du fumigène. Ça va être payant, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est le petit moment astuce. Et je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui le savent. Ouais, bon, après ceux-là qui jouent souvent, on n'a rien à leur apprendre, mais bon. Bah, on joue souvent aussi, mais. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Non, mais il y a certaines personnes, vous savez, voilà, c'est des conseils, puis. Bah, de toute façon, c'est des conseils, de toute façon, ils sont pas payants, donc du coup. Du coup, vous les prenez comme vous voulez, quoi. Ouais. Après, ça marche pas à tous les coups, mais. Parce bah, que je vois des fois, tu sais, t'as des points imprenables où que l'ennemi défend bien, les gens, ils ont plutôt le. Eux, ce qu'ils font, c'est plutôt ils se jettent sur l'objectif sans trop réfléchir. Et forcément, après, les tickets, ils descendent, quoi. Ah bah c'est clair, si par exemple, dans cette situation-là, si par exemple, ils viennent à putain fait cap. S'ils viennent un par un d'en B, c'est clair que vous allez épuiser votre nombre de tickets et puis vous allez rien amorcer du tout. Parce qu'une équipe bien mise en place, ben, regardez là, rien que dans la zone, on est que deux à protéger. Il n'y a pas d'autres ennemis qui protègent la bombe. Et même en étant deux sur la bombe à protéger. Ben, ça reste difficile. Hein. Ça reste difficile. Il faut venir à plusieurs vraiment pour pouvoir nous déloger, quoi. Ah putain, j'ai pas pu le réanimer celui-là. C'est la type 88 et l'intercule, gars. Ouais, jamais essayé, quoi. Mais j'aime bien quand même, j'aime bien. Il y a aussi utiliser les véhicules. La bonne manière aussi, c'est ça le truc. Bon là, ce que je vois, les ennemis galèrent, quoi. Bah ouais, non, mais ils galèrent pas, ils nagent là. On est obligé même d'aller les chercher, quoi. Est-ce qu'ils ont rage kit? Non, ça va, on s'est équilibré, on a 9, 9 contre 9, là ça va. Il est parti. Bon, ça va se terminer, il reste 5 mourir, tickets. Je vais mourir. Il reste 5 tickets. Toi, tu vas où, toi, gars? On va se calmer là tout de suite. Là, j'ai pas compris pourquoi je suis pas mort. Si tu verras la vidéo à la fin. Ouais, j'étais derrière toi, c'est moi qui ai buté le gars. Ah. Bon, bah, nous, on va couper ici, on va se retrouver au prochain gameplay. Ouais. Ça, ok, ciao. En quelques secondes, ciao. Re-salut tout le monde, nous revoilà. Toujours sur Traversée de l'Arsène, mais cette fois en attaquant. Bah en fait, c'est la map, il y avait deux, donc moi je fonce directement sur le point B. Voilà. C'est aussi une astuce, foncer directement sur le point B. Sur le point B. Bloqué. Putain, il y a sniper, je sais pas où. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Foncer sur le point B. On les bloque directement là. Que j'ai amorcé, tac. Fais gaffe derrière toi à la porte, hein. J'ai pas de visibilité moi. Là, il y en a un qui arrive. Putain, comme je spray, gars. Oh là là. Alors. Voilà. Tac. La bombe a pété, la bombe B. Quoi que c'est radical, quoi. Putain, on a déjà les deux. J'espère que ça va pas aller trop vite, hein. Sauf que ça, t'es trop bon que ça. Tiens, bah ouais, non. Mettons un cran en dessous. Ça a rien à voir avec moi. Tu sais quoi, j'ai une mouche là qui m'énerve. Ouais. Alors ça, je te dis, ça depuis un certain temps, depuis qu'il y a, bon, parce qu'il, c'est vrai qu'il fait chaud, mais ça fait pas très longtemps qu'il commence à faire des grosses chaleurs. Et puis qu'il commence vraiment à faire chaud. Chaque fois que je joue, mais les après-midi, il y a toujours une ou deux mouches qui me fait chier. Et puis tu sais, ils viennent toujours se poser sur mes mains là où je tiens la manette, gars. Mais ce que c'est affreux, quoi. Et le pire du truc, c'est que tu la chasses, mais elle revient tout le temps. Ah ouais, elle revient toujours au même endroit, quoi. C'est... Et je vais mettre un coup de tête à cette mouche, mon vieux. Voilà. Bon, moi, si jamais je me déplace sur le point B. Moi, je suis sur A, hein. Ok. Moi, je suis sur le point B déjà. J'en ai repéré un là-bas,
qui est dans son mirador. Putain, mais je spam comme un porc avec cette arme, quoi. Je spam, je mitraille, je veux dire. Spammer, ça veut rien dire, quoi. Enfin, je ne sais pas. T'es un sniper là-bas, au fond. C'est bon, je l'ai eu. Celui qui était sur le mirador, tu dis? Non, non. Sur A, tout au fond, vers le bâtiment. Eh, hey, il m'a éjecté, là. Qui t'a éjecté? Alors, hop. Allez, on va prendre mon petit bain, là, hop. Attends, j'essaie de te courir, là. Attends, vas-y, je contrôle les escaliers. Il y en a un en haut, hein, si jamais, mais... Putain, j'ai plus que... Donne-moi des munitions, donne-moi des munitions. Le gaffe, il descend. Il est là, il est là. Il est mort, ouais. Putain, c'est pas évident de jouer avec une mouche qui tourne... Putain, franchement, j'ai la tête. La mouche, quoi. Ça, c'est le mode hardcore. Tu pourras appeler la vidéo La Mouche. La Mouche. Non, je pense pas, non. Mais ça, c'est le mode hardcore qui s'enclenche. Vas-y, oh putain. Allez, debout toi. La mouche. Putain, c'est qui? Oh putain, y'en a un là, fais gaffe. À droite, ils sont deux. Trois. Putain, c'est des vulgaires, les gars. Ouais. T'es où? Là, je suis AB. Comme on conquête. Bon, ils défendent pas très bien les cocos là. Après, comme on l'a dit avant, ça dépend sur l'équipe que vous tournez. Ouais, après, ça dépend de l'équipe. Des fois, on peut pas. SKS, fais gaffe, ils nous attendent en AB. Là-haut, il y en a un. Ouais. Prends pas de risque, attends que j'arrive. Putain, je lui fais de la suppresse. Aussi, jouez beaucoup sur la suppression. Tirez en... Ah, il faut pas hésiter. Tirez sur vos adversaires, même si vous les touchez pas. Ouais, mais attends. Gangster 33, il m'a aligné au fusil à pompe d'où Adelin. Ok. Allez, on y va. Oh là là, il y a RPG. Fais gaffe. Ils sont dans le bâtiment, dans le bâtiment. Ouais, il y en a aussi en face, hein. Attends, je vais vite dans le bâtiment, là. Je suis mort. J'ai spoté quoi, mais. Alors, hop. Où je me cache. Il arrive. Fais gaffe, il est dans le bâtiment là en face. Là. Ah putain, il m'a niqué. Ah, moi aussi. Oh putain, ils sont je sais pas combien dans le bâtiment. Ouais, bah là, c'est bon, ça se corse un peu là. C'est ce qu'on aime. Ouais, parce que faire les relais d'une traite, c'est pas. Non, c'est pas. Bah, franchement. C'est pas amusant quoi. Allez, on repart. Merde, j'ai respawn là où il fallait pas. Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ton machin là. Je l'ai touché, mais. Donne-moi des munes là. Parce que moi je tire comme un abruti, mais. On est deux. Allez. Allez, on y va cette fois. Ils ont pété les relais, donc on va là. Viens. Puis toujours aussi un truc, si on peut. Essayer toujours le plus possible de contourner. Ça sert à rien de passer par les endroits les plus fréquentés ou et les plus visibles surtout ou les plus visibles ou les plus accessibles pour aller atteindre la bombe, parce que forcément ce qu'il faut vous dire c'est que en ruée ben c'est pas une question que ça campe, c'est que parce que j'entends beaucoup de gens dire ouais mais en ruée moi j'aime pas la ruée parce que ça campe, les gars ils campent, mais c'est pas de la campe. Ah, ils défendent, quoi, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, on vous donne une zone avec deux points à couvrir. Vous n'allez pas la couvrir, vous n'allez pas couvrir cette zone à 50 km de là, quoi. Il faut.
Ah, derrière, derrière, fais gaffe, derrière. Je suis mort, je suis mort. Ah. Attends. Ah, il est dans les gravats là, si jamais. Putain, mais fais gaffe, moi aussi je suis mort. Ouais, je me suis retourné et puis. Non, mais pas le même, mais c'était un autre. Mais. Ils sont bien posés là. Donc, on repart. Ouais. On va repartir d'où là maintenant? De C, là, de C en conquête normalement. Ah là, hop. Ils ont déjà tout détruit, les gars. Non, mais c'est incroyable, quoi. Bon. Bah, quoi qu'ils avaient pas besoin de nous? Bah, non. Du coup, ils ont même pas besoin de nous. Hop. Bon. Et j'ai fait un dernier kill. Super. Ouais. C'est pas mal. Ils étaient 8 en face, quoi. Donc voilà, quoi. En espérant que vous aurez apprécié les vidéos, que nos petites astuces, notre petite minute astuce vous aura plu, qui vous aura aidé. Elle était longue, la minute astuce. Ouais, non, mais voilà, je dis c'est bien. Au moins, en même temps, on vous montre un gameplay, on vous donne certaines petites astuces que nous, on trouve intéressantes. Après, bon, il y en a des qui trouvent intéressantes, d'autres pas. Donc voilà, quoi. Je dis pas. À une prochaine, les sur amis. Sur ce, moi, je vous dis ciao, ciao, bye, bye. Et à la prochaine, les amis.